Les décisions de Margrethe Eden ne cessent de faire parler. Hospitalisée après avoir subi une lourde opération du dos, la maison royale a fait savoir que la reine du Danemark se porte bien. Si son état de santé est bien et stable dans ces circonstances, la souveraine de 82 ans a été contrainte de déléguer le temps de son rétablissement et de ses séances de rééducation. Ne pouvant se rendre à ses rendez-vous officiels et limant ses apparitions, a remis temporairement les pouvoirs de la couronne à son fils le prince héritier Frédéric. Ce dernier devant se rendre en Inde pour un voyage d'état avec la princesse Marie, ce samedi 25 février, si est-il la sœur de la reine, la princesse Bénédicte qui prendra le relais à la tête de l'état. Une décision qui interroge des fans de la famille royale du Danemark, comme le rapporte le site Elle. Pourquoi Joachim n'est-il pas l'adjoint du prince héritier? Je ne comprends pas pourquoi Bénédicte doit occuper cette fonction, remarque un internaute, rapporte nos confrères. Supérieur à la famille royale de Danemark en Imagel, prince Joachim prêt à prendre ses distances avec la reine Margrethe II. Le prince Joachim, étant deuxième fils de Margrethe II, pour certains, il aurait pu être appelé à seconder son aîné. Mais comme le rappelle le site britannique, celui-ci vit à Paris avec son épouse la princesse Marie, et leurs deux enfants, Athéna, 11 ans, et Henrik, 13 ans. Le couple cesse d'éloigner de la famille royale en 2019 en s'installant en France, où le cadet de la reine occupe le poste d'attaché de défense à l'ambassade du Danemark. Selon de nombreuses rumeurs, le cadet de la reine pourrait prendre davantage de distance en partant vivre aux États-Unis. Ce choix pourrait faire suite à la décision de la souveraine de retirer les titres royaux à ses petits-enfants. Et ce, sans en informer personnellement les premiers concernés. Pour l'heure, aucune information n'a été confirmée, mais le prince Joachim a préféré répondre à l'affaire dans les colonnes d'Extra Bladet par un simple « Je ne pense pas avoir besoin d'en dire davantage ici ». Avant de regretter auprès du quotidien danois AB. T. Je peux dire que mes enfants sont tristes. Mes enfants ne savent pas sur quel pied se tenir, pourquoi devrait-on leur retirer leur identité? Pourquoi devraient-ils être punis comme ça? Crédit photo, Cyril Moreau.